C'est God of War. C'est du. Tu bourrines tout le monde, t'es un dieu, enfin voilà. God of War, c'est quand même une grande franchise, hein. C'est une grande série, hein. C'est connu. Là, on est en boss. C'est un peu dur à expliquer. C'est épique. Pas qu'on soit là. Non, merde. J'essaye de le bloquer plus, mais il est quand même super. Voilà. Tape à travers mes attaques, des fois. Ça, c'est pas bon. Combien de fois tu le fais? Mais il prend rien comme dégâts, c'est horrible. Non, non. Tu vas me tuer. Les trois sauts, c'est violent par contre. C'est le pire en soi là. Merde.
J'ai essayé de le parer. Merde. Voilà, je vais mourir. Faut garder la pierre en fait de résurrection pour ce moment-là, quoi. Ah oui, ça fait des ondes tout ça. Tu parles trop. Fais chier sur toi. Oh non, imaginez. Ok, là on va pas rire. Ça, c'est pas. Pas. Oh, yes. Parler la langue du dragon, enfin du serpent. Vas-y.
compris. Il est vaincu, père. C'est plus une menace. Je t'interdis de t'en prendre à nous. Et à elle. Je n'ai pas besoin de ta protection. Eh bien. Tu ne peux pas t'empêcher, ma vraie mère. Quoi que je fasse, quoi que je dise, il faut toujours que tu entends. Que tu interviennes! J'essayais juste de te protéger. Je voulais. J'ai fait des erreurs. Je le sais. Mais tu es libre à présent. Tu as ce que tu voulais. Essaie de me pardonner et nous pourrons construire une nouvelle vie. Non. Non. Pourquoi? Ça n'arrivera pas. Parce que je ne te pardonnerai jamais. Tu dois encore payer pour la vie que tu m'as volée. J'ai déjà payé. J'ai déjà payé. Mais si c'est la seule chose qui te rend heureux, si me voir morte peut t'apporter la paix, je ne t'arrêterai pas. Je sais. Attends! Non, père! Je t'aime. Kratos? Pourquoi? Ça ne te concerne pas. T'aurais pu reprendre ta route. Le cycle s'achève ici. Nous devons être meilleurs que ça. Choisis sa voie. Je déchaînerai tous les tourments, tous les supplices imaginables contre toi. J'exposerai ton corps sans vie aux quatre coins des neuf royaumes et je jetterai ton âme en pâture aux créatures infernales. Je t'en fais la promesse. Il t'a sauvé la vie. Il m'a pris ce que j'avais de plus cher. Il m'a pris ce que j'avais de plus cher. Tu n'es qu'un animal. Transmets ta cruauté et ta rage, tu ne changeras jamais. Alors tu ne sais rien de moi. J'en sais bien assez. Mais lui... Atreus. Écoute bien. Je viens d'une ville appelée Sparte. J'ai fait un pacte avec un dieu et j'y ai laissé mon âme. J'ai tué des gens qu'il méritait. Et d'autres qu'il ne méritait pas.
J'ai tué mon père. C'était bien ton père, elle. C'est ça, être un dieu. Ça finit toujours comme ça. Les fils tuent leur mère. Et leur père. Non. Nous serons les dieux que nous choisirons d'être. Pas les dieux qui ont été. Tu n'as pas à devenir celui que j'étais. Nous devons être meilleurs. Bon, j'imagine que ça fait de nous les méchants. Oui, à ses yeux. Mais c'est un choix qu'elle n'aurait jamais pu faire. Nous devrions finir ce voyage tant que j'en ai la force. Je comprends pas. Je sais qu'on a bien fait de la sauver. Mais elle avait l'air méchante à la fin. Pas méchante. Tu as tué son fils, petit. Tu as tué son fils. Un parent ne se remet pas facilement de la mort de son enfant. Mais... Il allait la tuer. Elle serait morte pour qu'il vive. Seul un parent peut comprendre ces choses. Alors tu me laisserais te tuer? Si ça te permettait de vivre. Oui. Écoute, ce n'était un choix facile pour personne, mon frère. Mais on sait tous que tu as fait ce qu'il fallait. Le monde a besoin de Freya. Il faut juste lui laisser du temps. Elle finira par s'en remettre. Alors retournons au temple de Tyr, une dernière fois. Oui, Jotunheim nous attend. Qu'est-ce qu'on a fait faire à Baldur ? Odin a dû le convaincre que vous suivre à Jotunheim lui apporterait le salut. Des mensonges sans doute. Le Guy a-t-il rompu le sort? La magie vanne est puissante, mais les règles en sont obscures et sournoises. Sauf si l'on est une sorcière, sans doute. Oh, mais quelle tragédie! Baldur était le cadeau le plus précieux d'Odin à Freya, le fruit sacré de leur union. Elle ne voulait que lui éviter de souffrir et craignait de le perdre. Mais de telles pulsions peuvent conduire de bons parents à prendre des décisions incroyablement stupides. Je sais pas pourquoi j'ai pris le bateau. On aurait pu se téléporter avec... Mir, pourquoi travailler pour Odin s'il est si horrible? C'est mon travail. Et quand on veut conseiller un roi, on doit parfois se contenter d'un fou ivre de pouvoir. Les places sont tellement rares. Mon premier maître était cruel, lui aussi. Mais il m'a appris la force indéfectible de l'esprit. Ce qui m'a beaucoup servi auprès des rois comme des dieux. J'avais à peu près ton âge quand j'ai commencé. J'étais au service d'un roi féerique, son bouffon officieux. La nuit tombée, mes amis et moi étions les maîtres de la forêt. On nous appelait les joyeux drilles, de vraies canailles. On faisait toutes sortes de bêtises. On jouait des tours aux mortels du coin. Tant que notre seigneur s'en amusait, nous n'avions pas à en affronter les conséquences. Oh. Puis un jour, nous n'avons plus amusé du tout. Et j'ai jugé bon de mettre les voiles. Fort heureusement, le temps et les chemins parcourus depuis ont fait du saltimbanque que j'étais le modèle de vertu que vous connaissez aujourd'hui. Yay. Il en fout un bordel quand même, Kratos. Putain. Dire qu'on veut juste mettre des cendres au sommet du mont le plus élevé. Et on a fini, on a tué quoi? 2-3 dieux ici. C'est le bordel. C'est le bordel. Bon, maintenant on peut aller à Jotunheim, royaume des géants.
qu'est-ce qui s'est caché? Ouais, c'est le dieu de la guerre et de la destruction. C'est dans sa fiche en fait, c'est dans son CV hein. Où on en était avec cette autre chose? Par contre, je vais faire une petite pause. Je reviens et après on part à YouTube 9. Machin, truc. Le nouveau métro? Ouais. Je pense, ouais. En stream aussi, je pense. Ouais. Enfin, si tout se passe comme prévu. Vas-y, sélectionne Jotunheim et nous partirons. Enfin, je crois. Enfin, je crois. Il a été déchu partout dans le 2. Non, il est devenu. Ah, je. Je me rappelle plus. Je me rappelle des grandes lignes. Ta fame. Odin interdit l'accès à ce royaume. La rune de passion ne fonctionnera pas. Ça, c'est étrange. On a même Asgard. Je me demande si on va aller à Asgard. Ou s'il faut, c'est des DLC. Non, ça m'étonne quand même. Ouais. C'est reparti. Atreus. La tête. Tiens-toi prêt. Oh, la oui. Tête. Ah oui, il faut faut l'œil. J'espère que tu vas pas exploser ou un truc comme ça. Oh, je n'avais pas pensé à ça. On devrait peut-être s'arrêter pour en rediscuter. Non, ça va bien se passer. Prêt. Oh, c'est très désagréable. State of Decay 2. Maintenant, Atreus. Il sort le mois prochain, je crois. Ah, c'est cool. Garde Mimir. J'avais peur qu'on perde Mimir ou alors que qu'il se passe quelque chose. On doit être proche. Ah, cool. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Tu crois que c'est loin? On va voir. Allez, joli, cette porte. J'ai quelque chose à dire avant qu'on continue. La dernière chose dont vous aurez besoin, c'est d'une tête en décomposition dans vos pattes. Je ferais mieux de vous attendre ici. Ça ne concerne que le petit et toi. C'est vrai. Mais si quelqu'un venait à te trouver... Oh, bah les 12 fesses de Lady Sif. Vous avez réussi. Oula, ça sent Désolé. La fin. Il fallait qu'on voit ça. Oh, non. Non, 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 non. Oh, ça va. C'est bon, d'accord. Surveillez-le jusqu'à ce qu'on revienne. Je peux le faire. Non, non, je ne peux pas. Oh. D'accord. Prêt. Viens. Est-ce la fin? J'espère qu'on va pas finir sur une fin bête. Genre, hop, fin. La suite dans le prochain épisode. J'espère que ça va pas être ça. C'est quoi, une porte? Regarde, on est sur les doigts du géant. Le plus haut sommet est sur juste devant. Je le vois. On a réussi. Oui, mon garçon.
qu'il fait? Ah, il va lui donner les cendres? Non. Il en... Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai plus de raison de me cacher. On peut y aller. On est tout prêt. Atreus. Ah, il va lui donner les cendres. C'est la marque des chaînes, mais bon, oui, ça on le savait, quoi. C'est marrant, parce qu'au final, il n'y a que Kratos. Et c'est seulement important pour Kratos, le fait que... Enfin, son passé. Son fils, il peut faire mieux. Enfin, on espère. Ouais, il y a encore pas mal de de dieux à tuer. C'est rien. Je pensais que j'aurais entendu des voix. Si jamais Kratos se fait chier, il y en a encore pas mal à défoncer. Eh oh, y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ils ont dû passer par ici quand ils ont quitté Midgard, les derniers des géants. Pourquoi avoir sculpté tous ces visages? Ça représente peut-être tous les géants qui ont réussi à fuir Midgard. Il y en a pas beaucoup. Odin et Thor, les rois de la destruction. Bizarre. Je devrais sentir leur présence, mais je sens rien. Cet endroit est mort. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Pourquoi maman nous a envoyés ici? Aussitôt qu'on répond à une question, deux autres la remplacent. Attends, là-bas. Merde, je peux pas sprinter. Qui est ce gardien? J'ai vu que là-bas il y avait aussi un point. Le retour de la gardienne. Ce qui est marrant en fait, ce qu'ils pourraient faire avec les God of War là maintenant qu'ils ont relancé la franchise, la série, c'est genre faire God of War 5, donc le deuxième après celui-là là, en Égypte. Genre. Où sont-ils maintenant? Genre ils massacrent. Pour survivre, mais je suis pas sûr qu'ils aient réussi. Ils massacrent les dieux égyptiens, genre Anubis, Toutankhamon, des trucs comme ça. Et ils défoncent des pyramides. Oh, ce serait drôle. Genre il va dans chaque royaume, il défonce tout le monde. Ça me ferait rire, tiens. Oula, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose. Ah, c'est elle. C'est sa femme. Enfin, c'est la mère. Avec la hache. Je crois. C'est ta hache. Je crois. Et maman. Regarde. Elle se dispute avec un groupe de géants. Elle connaissait les géants? C'est nous. La première fois qu'on a vu le serpent monde. Oh, la prophétie, c'est tout écrit déjà. Et notre combat avec Baldur. Mais ça vient juste Kratos d'arriver. Il va pas être content. Attends. Il savait tout ce qui allait se passer. Le dragon de la montagne, le maçon de pierre,
tous ses desseins. C'est notre histoire. Non. C'est ton histoire. Mais... qu'est-ce que ça veut dire? Que je n'étais pas le seul à avoir un secret. Tu ne savais pas. C'était une géante. Ah! C'était pas une humaine. Je suis un géant. C'est un géant. Un géant dieu. C'est pour ça que peut-être... pourquoi ne nous a-t-elle rien dit? Que Odin le veut, en fait. Elle nous a envoyés ici en sachant ce que nous allions trouver. Mais... pourquoi ne pas nous avoir dit la vérité? Ta mère avait sûrement ses raisons. Baldur n'était pas venu pour moi. C'est elle qu'il cherchait depuis le début. Mais il ignorait qu'elle était morte. Si c'est ce qu'elle voulait qu'on fasse, je lui fais confiance. Quoi qu'il arrive. Et puis... elle s'est pas trompée pour l'instant. Viens! Faut voir le reste. C'est presque fini maintenant. Bah tiens, on va peut-être voir le reste. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Oui. C'est presque fini. Oh mon dieu. Ça a pas l'air cool. Ça avait pas l'air... oh putain, j'espère que Kratos il va pas mourir quand même. Regarde. C'est celle de mer. Elle est venue ici. Elle a fait chacun de nos pas avant nous. Comme si elle était à nos côtés. Pour veiller sur nous. Et nous ramener à la maison. Finissons-en. J'aime pas ce qui se passe. Je sais pas, ça avait l'air d'être le corps de Kratos avec l'enfant devant, mais il y avait un truc qui lui sortait de la bouche, c'était très bizarre. Une sorte de serpent ou alors... je sais pas. Père? Non. Faisons-le ensemble. Mon fils. Je t'aime, maman. Ces géants, ils ont vraiment tous disparu. Y'a rien pour nous ici. Viens. Donc, si maman était une géante, je suis à la fois un géant et un dieu. Et un mortel. Oui. Y a
quand même une chose que je comprends pas. Mon nom sur le mur. Les géants m'appelaient... Loki ? Loki. C'est le nom que ta mère voulait te donner quand tu es né. Elle t'appelait comme ça auprès des siens. Pourquoi ? Assez de questions pour aujourd'hui. Rentrons à la maison. C'est pas bon signe, ça. Loki, c'est le frère de Thor, normalement. Et le fils d'Odin, on est d'accord. Bouclier brillant, soigneusement orné, commémorant la grande expérience du tir. Bouclier inflexible, marqué du sceau du péché du passé. Bah ça y est, je crois que c'est fini. Ou il y a encore une mission après. Terminé God of War. Par ici. Yeah. Retourne. Oh putain, faut retourner encore. Logiquement, c'est Loki, c'est un méchant. Après, on parle pas des films là avec Marvel, tout ça, on s'en fout de ça. Mais en dans la vraie mythologie, Loki, c'est un méchant. C'est celui-là qui apporte la destruction. On est d'accord. C'est celui-là qui va déclencher Ragnarok. Ouais, c'est possible, logiquement. Alors, bouclier inflexible marqué du sceau des péchés passés. C'est joli. Et après, on a le brillant de tir. Moi, j'aime bien celui-là, moi. Ouais, on va rester comme ça. Étrange. Je comprends mieux maintenant pourquoi elle voulait prendre la même ici pour être avec les siens. Mais tu crois qu'elle savait ce qu'on allait trouver? C'est ça qu'elle voulait nous montrer? Est-ce qu'elle voulait qu'on prévienne les gens ou qu'on garde le secret? Je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je te laisse décider. Oh. Dis, pourquoi tu tenais à m'appeler Atreus? C'était pas le nom d'un dieu, ça c'est sûr. Non, c'était un soldat, un spartiate. Un grand guerrier? Tous les spartiates sont de grands guerriers. On nous entraîne dès la naissance. Nous ne connaissons que la discipline, le devoir, le combat et la mort. La vie était dure, alors nous étions durs nous aussi. Mais Atreus de Sparte était différent de nous. Il ne cessait jamais de sourire, même dans les pires moments. Il était heureux. Il nous poussait à croire que même si nous étions des machines de guerre, il restait une part d'humanité en nous, de bonté. Le jour où il perdit la vie au combat, son sacrifice sauva un nombre incalculable de vies et nous permit de reprendre l'avantage. Je l'ai porté jusque chez lui sur son bouclier et enterré dans les honneurs de la tradition spartiate. Son souvenir me réconfortait pendant les heures sombres. Wow, ton histoire était incroyable, mais Mimir l'a raté. ça va, la fin elle est bien faite en fait, j'aime bien. C'est pas vraiment fini, donc on peut continuer avec le monde et tout ça. C'est pas genre, ah tiens on finit, on tue le grand méchant, et puis par magie on est encore là, et on peut continuer à finir ce qu'on n'a pas fini quoi. Là c'est sympa, là on a accompli notre tâche. La tâche du jeu c'était ça, c'était de remettre les cendres. Et maintenant ben on est de retour ou ça, on est là. Okay. Maintenant on peut partir. C'est très bien fait, c'est très très bien orchestré, j'aime beaucoup. Je comprendrais que tu veuilles rentrer à la maison.
Mais je suis sûre qu'il y a encore des Valkyries qui attendent d'être libérées. Et d'autres personnes qui ont besoin d'aide. C'est peut-être pour aider les gens que maman nous a envoyés ici. Voyons. Que ferait Atreus de Sparte? Et que ferait Loki? C'est un drôle de nom. Je suis content que vous ayez choisi le tien. Ouais. On va pas t'appeler Loki. Non, 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 on va pas t'appeler Loki. Ça va foutre la merde. Atreus, c'est très très bien. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis bien content de vous voir. Je crois que j'arrive à saturation avec ces nains. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris un nombre de mesures excessifs et entrepris de se quereller sur le temps qu'il fait. Où veux-tu qu'on t'emmène? Pourquoi pas aux confins reculés de n'importe où ailleurs? Bien, il reste avec nous, Mimir. Explorer les... avec Atreus, ok. Continuez l'exploration, rendez des services aux nains, libérez des dragons, bah ça on l'a déjà fait. Rendez service aux nains, bon on l'a déjà fait aussi, hein, c'est la... c'était... les armures. Rendez-vous à Mispelheim et Nilfheim. Donc ça c'est les deux zones qu'on... La zone de feu et la zone avec le... la cendre là, la poussière qui est toxique là. Trouver de nouveaux objets à l'atelier afin de construire un équipement assez puissant pour vaincre les légendaires Valkyries corrompues. Ouais, ça aussi, on en a déjà tué 3. Valkyrie repérée. L'emplacement de chaque Valkyrie corrompue a été marqué sur votre carte. Bah merci, bah du coup on n'a pas besoin de les chercher, c'est cool. C'est quoi ça? Combat troll. Qu'est-ce que c'est que ça? Combat troll? Elfheim. Normalement, là, il y en a une Valkyrie. Ouais, il y a une Valkyrie. Olrun. Donc ça, oui. Là aussi, il y en a une. Non. Là aussi. Niflheim, on n'a pas vraiment vu. Ah, ben c'est là. C'est où c'est qu'il y avait le gaz, là. Okay. C'est cool. On va revoir les nains. Peut-être qu'ils ont des nouveaux équipements et tout ça. On va voir. Pour farmer les équipements. Ouais. Avec le... La brume, machin. Je sais plus comment ils l'appellent. Je crois que c'est la brume. Avant qu'on ne retourne à Midgard, il faut que vous sachiez... C'est plus de temps que vous l'imaginez. Et la neige qui s'est mise à tomber quand tu as tué Baldur est devenue tout autre chose. Comme un présage. Un présage pour l'arrivée de l'hiver? Pas un hiver comme les autres. Un grand hiver qui durera 3 étés et dont la fin marquera le début. Le Ragnarok, à cause de la neige? Oui, de la neige. Encore de la neige. Et puis la fiche fin du monde, à peu près dans cet ordre. Une autre prophétie. Non, mon frère. Selon la prophétie, ça n'arrive pas avant encore au moins 100 hivers. Vous avez changé quelque chose. La prophétie ne s'attendait pas à vous. Ouais, ça va. On a déclenché le Ragnarok un peu plus tôt que prévu. Genre 100 années avant. Je te le dis, moi, c'est Fimbulvetter. J'ai le fond. Ouais, ils ont pas de quête. C'est le grand hiver. Ah tiens, on a des nouvelles choses à récupérer, à acheter. C'est pas une question de neige, et tu le sais. C'est la fin des temps. Comment oses-tu me faire la voix de la raison? Ça va? Ben, c'est de la merde. Ce qu'il veut dire, c'est que Fimbulvetter arrive, les gars. Le dernier des hivers. J'en ai le fondement gelé. Oui, on a entendu. Si vous rentrez, ne traînez pas en route, et surtout... Évitez de mourir. Et puis si vous rentrez pas, même conseil. Donc ils ont bien déclenché Ragnarok en avance en fait. Ah, j'avais pas récupéré ça. Ouais, mais de toute façon on l'a augmenté déjà. À propos de cette autre chose.
Ouh, c'est joli l'intérieur du bouclier. Rouge comme ça. Oula! Et là, c'est à ce moment-là qu'on dit oups. On aura une meilleure vue. Ouais, c'est le dernier hiver, avant Ragnarok. Parfait. Je pense qu'on devrait laisser le serpent tranquille, mon frère. Oui, t'as sûrement raison. Merci. Merci. Reposons-nous. Je vais dormir tout l'hiver. Bien, ça ira. Dors. Je t'ai pas attendu. Atreus, tu es prêt? Oui, mais... j'ai fait un rêve étrange. C'était la fin de Fimbulwetter, et Thor nous attaquait. Ici, à la maison. Ce n'était qu'un rêve. On aurait dit que non. Ça semblait vrai. Comme si c'était... l'avenir. Dans ce cas, nous verrons ça demain. Pour l'heure, il nous reste des choses à faire. Viens.